Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Tissé Bitno, se trouve à Mongo, dans la province du Guéra, pour une visite de travail. Il a été reçu, il a reçu un appui populaire. Le Tchad commémore aujourd'hui la journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque 20 novembre de l'année. Le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, en partenariat avec l'UNICEF, aux côtés des enfants sinistrés pour marquer cette date. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idrissa Bitno, se trouve depuis ce matin dans la province du Guéra pour une visite de travail. Le film de l'arrivée du chef de l'État Mongo avec Assira Nambatinga. L'ambiance est carnavalesque, étincelante. Au pied de l'arène du Guéra. La ville de Mongo est en effervescence. Et pour cause, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idrissa Bitno, est attendu à Mongo. Le Guéra a battu le rappel de toutes ses âmes à Mongo pour réserver un accueil mémorable au général Mamadou Idrissa Bitno qui va fouler pour la première fois en tant que président de la République son sol. Dès le lever du soleil, la foule a convergé vers l'aérodrome de la ville de Mongo, où devait atterrir l'avion du chef de l'État. Elle est composée de toutes les corporations et formations politiques. D'abord, nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui souhaitons toujours et surtout vraiment du courage pour qu'il tienne vraiment pendant cette période de transition qui est mouvementée, mais nous comptons sur lui. Un nouveau soulagement pour nous, pour tous les Guéra, pour toute la province du Guéra justement, pourra résoudre beaucoup de choses. Dans la mesure où vraiment nous avons des attentes. En matière surtout de la sensibilisation pour le vivre ensemble et puis tout ça, c'est ça les problèmes qui minent ces dernières années-là, ce pays. C'est pour la première fois l'arrivée du président de transition dans notre province. Donc ça nous fait l'honneur que nous sommes là, soleil même on n'a pas vraiment senti. C'est pour la première fois que le président de transition va descendre dans la terre, c'est une terre de paix, de prospérité et d'amour. On va l'accueillir d'avance. Et nous sommes très très contents de voir le président de transition avec nous. On n'a même pas senti le soleil. C'est à 10h30 que le grand oiseau transportant le président de transition s'annonce dans le ciel. L'avion s'immobilise. Du rang des officiels se détache le gouverneur du Guéra, Dr Adam Forte Amadou, le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 3, général Hafir Guerdey, et le maire de la commune de Mongo, Abdelmalik Abderrahman, pour accueillir le chef de l'État. Le service protocolaire d'accueil se poursuit avec le passage en revue d'un détachement militaire qui rendait les honneurs au chef de l'État, chef suprême des armées. Après les honneurs militaires, le président de transition a tenu à serrer les mains de la foule venue à sa rencontre. La file est très longue, mais le président de transition, qui tient à communier avec tous, est monté à bord de son véhicule pour faire le tour de l'aérodrome, saluant toute l'assistance. L'agenda du séjour présidentiel au Guéra prévoit une descente à Mangalmé pour compatir avec les victimes des conflits meurtriers survenus dans la localité en octobre dernier. Aussitôt arrivé, le chef de l'État, général Mamadou Idrissa Bitno, et la délégation qui l'accompagne ont mis directement le cap sur Mangalmé à bord des hélicoptères. Mangalmé a été en octobre dernier le théâtre de conflits meurtriers. C'est une fois de plus un conflit communautaire de trop. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idrissa Bitno, y arrive pour connaître les circonstances de ces événements, compatir avec les victimes, porter le message de paix, mais surtout mettre en garde tous ceux qui tenteraient de fouler au pied l'unité nationale et la cohabitation pacifique. Aussitôt après son arrivée, le chef de l'État a tenu une rencontre au cours de laquelle il a fait parler son cœur. Il a fait parler son cœur à l'endroit des victimes par des mots de compassion et de réconfort à l'endroit des instigateurs
par des mots très fermes. Il a donné des instructions fermes et exécutoires pour le retour de la quiétude et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de la localité et le respect de l'autorité de l'État. Mangalmi, connu pour son aversion pour l'injustice, doit désormais être le criseux de la justice et la cohabitation pacifique et du vivre ensemble, a insisté le président de transition tout en demandant aux quatre ressortissants de Mangalmi, chef traditionnel et religieux, de jouer leur partition. Les mots très durs mais directs prononcés par le président de transition, le chef de l'État général Mohamed Idrissa Bitno, ne s'adresse pas seulement aux fauteurs de troubles dans le Guéra, il s'adresse à tous les Tchadiens sur l'étendue du territoire national. Le parfum de la paix et du vivre ensemble a prévalu ce matin dans la grande salle de l'Office national des médias audiovisuels. C'est au cours d'une cérémonie marquant le lancement officiel des activités de la plateforme Vivons tous ensemble, un cadre de jeunes qui a pour objectif de promouvoir la paix et le vivre ensemble pour un Tchad fort et uni de sa diversité. La cérémonie présidée par la conseillère à la jeunesse et au sport du chef de l'État, par ailleurs coordinatrice de la plateforme, Thomas Mandjali. La Tchadienne retentit ce 19 novembre dans la grande salle de l'ONAMA pour un élan collectif en faveur de la paix. Un coup de projecteur et c'est officiel. La plateforme Vivons tous ensemble est désormais opérationnelle pour vulgariser les messages de paix et du vivre ensemble en milieu jeune. L'initiative émane de plusieurs organisations de la société civile légalement reconnues et prix des valeurs citoyennes, gage d'une nation forte. Pour le président du comité d'organisation Brahim Moussa, l'acceptation d'autrui dans sa diversité culturelle, religieuse et autres valeurs doivent marquer l'existence de tout un chacun. C'est là la motivation suprême qui a guidé la création de cette plateforme citoyenne. La plateforme Vivons tous ensemble de Ishikulé Nassawa est fixée comme objectif et des principes d'œuvrer pour préserver la génération future du fléau de la guerre. Dans ce vaste chantier de l'appropriation de la paix, voici une école de 11 minutes. Les enfants de Toumaï entre espoir et désespoir. Un documentaire riche en enseignements réalisé par Ahmad Yahya Abbas met en exergue les conséquences néfastes de la guerre dans un pays comme le Tchad. Ce sont les jeunes qui ont été payés au prix de leur vie dans cette aventure. De ces documentaires se dégage la nécessité d'œuvrer pour un Tchad un et indivisible. Des témoignages et conseils dignes des personnes de troisième âge et rescapées des guerres ont ajouté une plus-value à cette mission fixée par cette plateforme. Il s'agit d'inciter les jeunes à copier un modèle de vivre ensemble participatif et inclusif. Cette plateforme s'engage à organiser dans toutes les provinces des caravanes, des sensibilisations, des conférences, débats, afin de vulgariser les valeurs de la paix en milieu de jeunes. L'initiative est une invite de veille de conscience des Tchadiens pour une cohésion sociale durable, pour un Tchad uni, prospère et fort. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Abdourahmane Koulamallah, à la tête d'une délégation, a séjourné du 13 au 18 novembre 2022 en Côte d'Ivoire. L'objectif de la mission est de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de la réconciliation nationale. Katmouba Théophile. La délégation conduite par le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Abdourahmane Koulamallah, a activement pris part à cette rencontre qui a réuni les participants du pays organisateur et le Tchad. Cette journée nationale de la paix, couplée avec la journée du souvenir et du pardon, est placée sous le thème « Se souvenir, se pardonner pour construire ensemble l'avenir ». À la faveur de ce rendez-vous important, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Abdourahmane Koulamallah, a rencontré dans la capitale ivoirienne Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, pour une séance de travail. On est venu parce que on a été frappé et émerveillé par le modèle ivoirien de réconciliation nationale, mais surtout par la grande capacité que les Ivoiriens ont eue pour réconcilier, unir, rassembler le peuple ivoirien. Cette capacité de résilience pour la paix est un modèle pour l'Afrique, pour les Africains. Pour rappel,
La journée de la paix est instituée en 1996 et est célébrée chaque 15 novembre de l'année en Côte d'Ivoire. Cette année, pour renforcer le lien de coopération entre le Tchad et la Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Abderrahmane Koulamallah, est l'invité spécial de ces festivités commémoratives. Demain 20 novembre, le monde célébrera la journée mondiale des victimes des accidents de la circulation édition 2022. Le Tchad se joint également aux autres pays du monde pour commémorer cette journée sous le thème des rues à basse vitesse. Je vous invite à suivre la déclaration de circonstances de la ministre du Transport terrestre et de la Sécurité routière, Fatima Koukiniwode. L'objectif de cette journée est de fournir une plateforme pour les victimes de la route et leurs familles afin de rendre hommage à toutes les personnes tuées et gravement blessées sur la route. Reconnaître le travail crucial des services des urgences, attirer l'attention sur la réponse judiciaire généralement insuffisante pour les personnes ayant provoqué les décès et les blessures sur la route, plaider pour le meilleur soutien aux victimes et leurs familles, promouvoir les actions basées sur les données probantes pour prévenir et éliminer les décès et les blessures sur la route. Selon un rapport de l'OMS de 2018, le nombre de décès sur la route est estimé à 1,35 million de morts chaque année. Le gouvernement du Tchad a inscrit en lettres d'or la question de la sécurité routière dans son agenda. C'est ainsi que l'Office national de la sécurité routière a été créé et placé sous la tutelle du département dont j'ai la charge pour la mise en œuvre et le suivi des actions de la prévention de la sécurité routière. Pour cette édition de 2022, mon département à travers le NASER a retenu quelques activités, notamment l'installation d'un panneau sur le lieu de l'accident de la route Malgalmé Oum Hadjar qui a fait 39 morts en février 2022. Un point de presse du directeur général de l'Office national de la sécurité routière sur la situation de circulation routière au Tchad. Le témoignage de quelques victimes des accidents de la route et enfin la remise des kits de soutien à quelques victimes. La sécurité routière, vous le savez, c'est l'affaire de tous. Protégez-vous, protégez les autres et protégez vos proches. Nous appelons les conducteurs et conductrices et autres usagers de la route à plus de prudence, plus de responsabilité en cette fin d'année 2022. Aussi, je lance un appel aux leaders religieux pour une prière pieuse pour le repos des âmes des victimes des accidents de circulation de la route en cette journée de dimanche 20 novembre 2022. Le Tchad commémore aujourd'hui la journée mondiale de l'enfant, célébrée chaque 20 novembre de l'année, une journée dédiée à l'éducation, aux droits et à la santé de l'enfant. Pour marquer cette date, le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, en partenariat avec l'UNICEF, était aux côtés des enfants sinistrés du site de Toukra, dans la commune du 9e arrondissement. La ministre de tutelle, Amina Priscille Longo, a rehaussé de sa présence la cérémonie. Yershua Banyabicho. Loin de leurs habitations suite aux inondations, mais au centre d'une attention particulière des autorités du pays. Sourire aux lèvres, les enfants du site des sinistrés de Toukra célèbrent la journée à eux, dédiée dans la gaieté. Par ces manifestations, le ministère du Genre et de la Solidarité nationale en partenariat avec l'UNICEF entend sensibiliser le public sur l'importance des droits de l'enfant et les mettre en lumière. Une opportunité pour le représentant de l'UNICEF de saluer l'engagement du gouvernement dans le cadre de la protection de l'enfance. Je voudrais féliciter le gouvernement de la République du Tchad pour l'engagement à réaliser les droits de l'enfant à travers l'amélioration du cadre légal, politique et stratégique. La femme est comme une marmite. Tout ce que l'on y met peut bouillir, disait un sage. En tant que femme et mère, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale invite les parents à transmettre des valeurs citoyennes à leur progéniture. Je voudrais profiter de cette journée pour demander à chaque parent l'importance de son implication personnelle dans la vie d'abord de son enfant avant que celui-ci ne fasse le pas extérieur vers une communauté dans laquelle il pourra exercer ou apprendre à vivre avec autrui. Pour marquer d'une pierre blanche cette journée, la ministre a partagé un gâteau avec les enfants. Des kits récréatifs leur ont été également offerts pour leur dire de garder toujours l'espoir.
car rien n'est perdu. Le Centre Al-Mouna, collaboration avec le réseau des associations pour la protection des enfants au Tchad, a organisé une conférence de bas placée sous le thème « Situation des enfants au Tchad, état de lieu sur le mécanisme de protection ». Cette conférence a permis d'édifier le public sur le rôle que l'État et la société doivent jouer en matière de protection des enfants. Malgré les efforts fournis par le gouvernement dans le domaine de la protection des enfants, des défis restent à relever. Et c'est pour situer le public sur le rôle que l'État et la société doivent jouer dans ce cadre que le Centre Al-Mouna, en collaboration avec le réseau des associations pour la protection des enfants au Tchad, organise cette conférence débat placée sous le thème « Situation des enfants au Tchad, état de lieu sur les mécanismes de protection ». Pour la conférencière Maître Clarisse Nomaï, avocate de son État, qui a entretenu l'assistance sur le sous-thème « Rôle de l'État dans le processus d'acceptation des instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés », l'État doit prendre ses responsabilités en regardant dans les familles et en créant des structures adéquates pour la prise en charge des enfants de la rue et pour y stopper le phénomène de la mendicité. Toutefois, elle interpelle certains parents qui privilégient leurs enfants au détriment de ceux des autres. L'autre panéliste, Mbete Félix, a axé son intervention sur l'éducation qui, selon lui, constitue un vaccin pour les enfants. Il a aussi, par la même occasion, mis l'accent sur le rôle que les leaders religieux doivent jouer dans la protection des enfants. Dans leurs préoccupations, les participants se sont apesantis sur les enfants qui ne disposent pas d'acte de naissance qui peut justifier s'ils sont majeurs ou mineurs face à un problème et ceux de la rue qui sont en majorité des étrangers. En réponse, les conférenciers précisent que la responsabilité incombe aux adultes. Mettant à profit son séjour à Bagassola, le chef d'état-major général des armées, le général d'armée Abak Abdelkrim Daoud, a prodigué de conseils à la nouvelle troupe déployée pour renforcer l'effectif de la force multinationale mixte. Il a aussi visité les installations de la compagnie fluviale à Bibi. L'objectif est de rehausser le moral de la troupe et s'enquérir de leurs conditions de travail. Idriss Maletris. Comme prévu par la plus haute autorité militaire, les 500 recrues sont déjà acheminées à Bagassoula pour renforcer les troupes en opération dans les secteurs et sous-secteurs de la zone de défense numéro 4. Avant de les déployer, le chef d'état-major général des armées, le général d'armée Abakar Abdelkrim Daoud, accompagné des commandants des zones de défense numéro 4 et celui de la force multinationale mixte, ont donné des conseils et orientations aux recrues pour bien remplir leur mission. Vous êtes encore jeune. Vous êtes appelé à servir votre pays avec dévouement et loyauté. Pensez à la sécurité des personnes et de leurs biens. Agissez comme vous le recommandent les disciplines et les règlements militaires, a rappelé le CEMGA. Ce message est aussi relayé par les commandants des opérations de cette zone, le général Abdoulaye Tissero, et celui du secteur 2 de la force multinationale mixte, le général Djuma Youssouf Mohamed Itno. Après la réunion de débriefing avec les soldats, le Senga est allé à Bibi pour voir les installations de la compagnie fluviale. Un tour dans les eaux du lac a permis à la délégation de s'enquérir des conditions de travail des soldats. Le poste avancé de Bibi est en plein chantier et le superviseur des travaux a expliqué au Senga et son staff les ouvrages à réaliser qui permettront aux soldats de mieux accomplir leur mission. Ici, le général Abakar Abdelkrim Daoud a demandé aux techniciens de respecter les charges comme prévues dans les contrats. Avant de quitter Bibi, le général d'armée a instruit les responsables de ce checkpoint de bien veiller aux soldats. La police nationale a présenté ce matin une quantité importante des armes blanches et des lance-pierres récupérées de main de quatre militants du parti Les Transformateurs, alors que ces derniers s'apprêtaient à passer à l'acte. Cela fait suite à une descente du directeur général de la police nationale, Hissène Doudoua, à Walia, dans le 9e arrondissement. Amanissa Kassina. Le patron de la police nationale est à Walia, dans le 9e arrondissement. Le contrôleur général Hissène Doudoua Hamid et ses hommes ont dans leur viseur des individus suspects. Quatre hommes, tous militants du parti Les Transformateurs, ont à leur possession quatre sacs remplis de machettes et un sac contenant des lance-pierres. Sans plus tarder, l'ordre est donné pour les embarquer. Direction commissariat central de police
où sont aussitôt exposées ses armes. Les images sont époustouflantes et rappellent les malheureux événements du 20 octobre 2022 ayant occasionné des pertes en vies humaines. Interrogé à ce sujet, l'un des militants arrêtés ne cache pas l'intention. Ses propos sont plus que révélateurs. Non, vraiment, nous, on ne sait pas. C'est un truc qu'on nous a amené pour distinguer les tueurs de machette aux enfants du quartier en disant que même le greffe n'est pas encore fini et qu'il cherche encore à continuer de faire le greffe. Donc, comme ça, nous, il nous a amenés, on n'a même pas amené à la maison. On est à quatre, on est en train de concerter pour qu'on va distribuer. Et en même temps, là, à un grand surplus, la police est venue surpris. En attendant que la justice se prononce sur leur sort, ces hommes pris main dans le sac ont émis un sentiment de regret et demandent pardon, comme affirme l'un d'eux. Nous sommes tous des Tchadiens. Vraiment, on a regretté, on regrette toujours. Ce qu'on va mettre maintenant dans la main de l'autorité administrative. Et on ne va plus répéter ça. Aux jeunes, là, je vais aller leur conseiller. Là, on n'a qu'à laisser ces trucs-là. Il n'y a pas d'intérêt sur ça. Maintenant, ils ne devraient jamais recommencer de faire ça. Ces quatre militants du parti Les Transformateurs qui ont avoué recevoir l'ordre de leur hiérarchie seront mis à la disposition de la justice pour que le droit soit dit. Entre-temps, les intrépides forces de la police nationale poursuivront avec dévouement et dynamisme leur mission de veiller sur les personnes et les biens. Deux documents de planification humanitaire de l'année 2023 pour le Tchad viennent d'être validés. C'est à l'issue d'un atelier dont les travaux ont été clos hier par la secrétaire d'État à la prospective économique et aux partenariats internationaux, Gayam Benkiri. Au terme de deux jours de réflexion, les participants ont eu à élaborer deux types de documents de planification pour l'année 2023, lesquels documents qui portent respectivement sur l'aperçu global des besoins humanitaires et sur le plan de réponse humanitaire pour le Tchad. Je retiens de la présentation des conclusions de vos travaux quatre grands axes d'intervention et d'action pour le 2023. Sauver des vies, réduire les vulnérabilités, renforcer la résilience et développer et assurer le nécessaire lien entre les acteurs humanitaires. Pour la coordinatrice humanitaire du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakoumian, les éléments fondamentaux de la réponse humanitaire pour le Tchad en 2023 viennent d'être jetés. Pour elle, il ne reste qu'à mettre tout cela en forme afin qu'il produise dans les délais impartis un document consolidé de qualité. La BAC souffle sur sa 50e bougie télé Tchad dans le cadre d'une série de reportages consacrée à cet événement. S'intéresse ce soir aux enjeux de cette célébration en N'Djamena. Magicien Anastasie Bissi. 50 heures de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC est rendez-vous à N'Djamena pour sa célébration. Des manifestations qui vont vibrer aux couleurs culturelles et sportives, expositions et symposiums, des moments saillants qui feront tache d'huile. Les 6 États qui regroupent la BAC apporteront des touches particulières à l'événement par la présence de leurs chefs d'État et de gouvernement, des gouverneurs des banques centrales, des responsables des institutions internationales, des décideurs du monde des finances, des universitaires et représentants du secteur privé. Les manifestations seront axées sur le thème 50 ans au service de l'intégration des peuples de la CEMAC. Elles prendront en compte un tournoi de football regroupant les banques, un mini-marathon, une exposition et un symposium. L'exposition sera faite sur l'histoire des billets de banque en Afrique centrale et le symposium international se focalisera sur le thème « Réforme monétaire et financière dans la CEMAC, expérience et perspective ». Le symposium, qui sera animé par les 6 chefs d'État et de gouvernement, sera le lieu pour l'assistance de discuter sur les capacités des économies des pays de la sous-région d'Afrique centrale afin de faire face aux obstacles. L'on assistera aussi durant ce symposium aux interventions du gouverneur de la Banque de France, du président de la Banque mondiale et celui de la Banque africaine de développement. Autre panel non de moindre est celui des anciens gouverneurs de la BAC et ceux ayant trait à l'inflation du contexte post-Covid et la crise russo-ukrainienne.
les résultats de ces festivités visent à mettre en place un système financier et économique sain et propice au bonheur de la communauté de l'Afrique centrale. L'enjeu de cette date d'anniversaire s'explique en termes des défis à relever quand on sait que les besoins des États membres de la CIMAC augmentent d'une manière exponentielle. C'est au cours de cette rencontre de N'Djamena que des grandes orientations seront prises pour les décennies à venir au bénéfice des habitants des 6 pays de la communauté de l'Afrique centrale. L'Union des réunions nationales pour la démocratie et le développement à travers son premier vice-président Célestin Topon a fait ce matin une sortie médiatique dans cet extrait que nous vous proposons. Kalyan Gavouna, le premier vice-président de l'UNDR, se prononce sur la situation du pays, notamment la transition, les manifestations du 20 octobre, et réitère l'engagement de l'UNDR à œuvrer pour la consolidation de la paix et de l'unité. Suivez. Avec une certaine fierté et abnégation que nous sommes, nous militants de l'UNDR, impliqués entièrement dans la transition par notre soutien actif aux autorités qui la gèrent. Par contre, nous réprouvons totalement les actes de violence orchestrés savamment par certains Tchadiens contre cette période spécifique. Nous nous indignons contre ces manifestations qui n'avaient pas de pacifique. Nous nous indignons contre ces manifestations qui n'étaient pacifiques que de nom. En effet, l'UNDR les condamne avec énergie et reste solidaire du président de transition Mamadou Idriss Déby Itno, du premier ministre du gouvernement d'Union nationale Sali Keb Zabo et leur gouvernement. Nous condamnons donc fermement la tentative d'insurrection perpétrée le 20 octobre dernier. La mise en chantier du cahier de charges tel que décidé par le dialogue national inclusif et souverain, nous croyons à le croire, nous continuons à le croire, devrait permettre aux Tchadiens de participer enfin à des élections véritablement libres, transparentes et acceptées par tous. Pour cela, tous doivent cultiver la cohésion nationale et non la haine pour que dans 2 ans, nous soyons en mesure d'avoir de bonnes élections. Le saccage, lui, revient systématique de son siège, est une opération de vandalisme irresponsable dont les auteurs répondront de leurs actes. La présidente de l'OFMPS, Mme Timibet, a visité ce matin le groupe OFMPS de la commune du 8e arrondissement. Objectif, féliciter les deux partisans du parti pour leur nomination. Il s'agit notamment de la troisième secrétaire générale adjointe, Amsade Maïda Hangata, et du président de SGMPS, Mustapha Chouna. Cette rencontre a vu la présence des parents, amis et collègues. Idriss Moulitris. Cette visite a permis aux militantes et militants du mouvement patriotique du salut, N'Djamena, et des différentes provinces du Tchad d'adresser leur reconnaissance au secrétaire général du MPS pour la nomination de leurs camarades au poste de responsabilité au sein de leur formation politique. Aussi ont-ils encouragé les nominés à hisser le flambeau du parti. Félicitations pour sa nomination à la tête de ce secrétariat général. Pour la première fois depuis 32 ans, ce poste n'a pas été occupé par une femme. Pour cela, nous remercions très sincèrement le camarade Dr Haroun Kabadi, secrétaire général du mouvement patriotique du salut, qui a mis la femme au centre des préoccupations du mouvement patriotique du salut. La troisième secrétaire générale adjointe du MPS se réjouit de cette visite et remercie les dirigeants pour la confiance placée en elle, tout en exhortant ses camarades à travailler dur pour soutenir la politique de la paix et le vivre ensemble. Je voulais dire merci au président de la transition d'avoir placé sa confiance en la femme. Le président du RJMPS, Mustapha Tchonaï, salue l'acte posé par ses camarades militants et promet ne pas le décevoir. Au nom du jeune, Mustapha Tchonaï demande aux femmes de l'orienter et de l'accompagner dans cette mission pour relever les défis liés aux idéaux du parti qu'est le MPS. Au cours d'un point de presse fait cet après-midi, un groupe de jeunes de la plateforme Okitama et du parti Les Transformateurs annonce leur démission de ces deux organisations politiques. Suivez.
Nous, FOCO du Parti transformateur et de l'organisation Wakitama, condamnons avec la dernière énergie les agitations de ces hommes politiques qui veulent voir côte à côte un Tchad divisé et un Tchad déchiré. Nous avions été invités pour participer aux différentes manifestations, mais c'est au dernier moment que nous avons compris que ce sont des tentatives d'instruction et non des manifestations. Les hommes politiques veulent à tout prix nous instrumentaliser pour arriver au pouvoir. Mais cette fois-ci, nous avons distingué le vrai. Ce Tchad ne s'est pas construit en un seul jour et ne peut aussi être refondé en un seul jour. À ce titre, nous tenons à informer l'opinion nationale de notre démission collective du Parti Les Transformateurs et de l'organisation Wakitama. Nous soutenons aussi les autorités de la transition pour les initiatives, combien de fois louables en faveur de la paix. Le gouverneur de la province de Mandoul Hissène Dakwa président réunion mensuelle sur la santé, notamment l'introduction de la deuxième dose du vaccin anti-rougeoleux et la poliomyélite dans la province de Mandoul. Vice GDB. Cette réunion présidée par le gouverneur de la province du Mandoul, le général Hissène Dakwa, a vu la présence des autorités administratives, des délégués provinciaux, les partenaires techniques et financiers. L'occasion tout indiquée pour le délégué provincial de la santé et de la prévention du Mandoul, Dr Ndoué Jongam, de présenter le tableau de vaccination de sa circonscription et d'expliquer l'importance de l'introduction de la deuxième dose de ces deux vaccins. Le consultant de l'UNICEF, Dr Miajingar Yangar, de dire que l'introduction de vaccins anti-rougeoleux et de la poliomyélite vient renforcer l'immunité de l'enfant. Pour lui, cette réunion est une opportunité pour les responsables à différents niveaux de relayer l'information afin de permettre aux enfants du Mandoul d'être tous vaccinés. Le gouverneur de la province du Mandoul, le général Hissène Dakwa, demande aux responsables administratifs et militaires présents à cette rencontre de se baser sur la communication de proximité pour sensibiliser les communautés afin qu'elles adhèrent à cette dynamique qui est l'introduction de la deuxième dose de vaccin anti-rougeoleux et de la poliomyélite dans la province du Mandoul. En séjourant Mjaras, le directeur de l'Agence des Nations Unies pour le Développement International Afrique de l'Ouest, Peter Trenchard, accompagné des autorités provinciales, a visité le camp de réfugiés de Kariari et l'ONAMA dans Mjaras. Hassan Lamé. La mission de l'Agence des Nations Unies pour le Développement International USAID, conduite par son directeur Afrique de l'Ouest, Peter Trenchard, est accueilli par le préfet de Wadi Hawar, Thierry Bichere Tchotch, le gouverneur de la province de l'Enedi Est, est représenté par son conseil économique Fiambay Albert. Elle a ensuite mis cap sur la station de pompage qui alimente en eau les réfugiés. Les femmes qui investissent dans les cultures maraîchères ont reçu également la visite de la délégation. Les questions de droits et de devoirs sont gérées par la PLFT. Au centre de santé, le problème d'urgence a été détaillé. L'école n'a aucun souci et tourne normalement. La communication tient à cœur le directeur de l'USAID. Le chef de mission s'est dit émerveillé. Il a été soutenu par le chargé de coopération à l'ambassade des États-Unis au Tchad. C'était plutôt en ce jour, Amdiaras, le directeur de l'Agence des Nations Unies pour le Développement International Afrique de l'Ouest, Peter Trenchard, accompagné des autorités, a visité le camp de réfugiés de Kariari et les stations de pompage qui alimentent le camp de Kariari. Un reportage de Hassan Lamé. L'Association de Jeunes Unis pour le Développement de FADA ont mis plus de 1000 plants, notamment des manguiers en terre. C'était dans la cour de la station provinciale de l'ONAMA de FADA. Et ses environs. La cérémonie est présidée par le préfet du département de FADA, Aziz Oumaria. Reportage.
Une cérémonie de plantation des arbres a eu lieu ce vendredi à Dorma Fada. C'est une initiative de l'association des jeunes unis pour le développement de Fada. Après le mot de remerciement de maire de adjoint Mamad Ahmad Debi, la présidente de l'association des jeunes unis pour le développement de Fada, Haché Kali Debi, demande aux autorités locales, ONG ou autres, de renforcer les arbres pour confronter la menace de la sécheresse. Le préfet du département de Fada, Aziz Ouarmaï, qui a officié cette cérémonie. Ce que vous avez décidé de faire ce matin est une initiative louable. Aussi, dans les prochains jours, il faudrait que chacun de nous, les jeunes, les femmes, sortent massivement pour au moins se mettre à l'épreuve. La mise en terre des 10 pieds démanqués par le préfet est suivie des chefs de service déconcentrés de l'État qui a mis terme à cette cérémonie. À l'occasion du mois de livre, le président du cercle de l'affection, dénommé La jeunesse consciente, par l'écrivain Mahamat Asildagage, a fait ce matin un point de presse relatif aux activités de la jeunesse consciente. Le responsable du cercle invite cette frange de la population à faire de la lecture leur première préoccupation. Un extrait. C'est un cercle de l'affection dénommé La jeunesse consciente, qui est une initiative des jeunes, par des jeunes et pour les jeunes. Le cercle est donc le retro du passé, l'emblème du présent et la vision du futur. Le principal cheval de bataille est d'unir la jeunesse comme un seul homme pour un Tchad qui fait beau vivre, où la fraternité se lie à l'amitié. Un Tchad où la ségrégation raciale deviendra l'ombre du passé. Jeunesse africaine, jeunesse tchadienne, dix filles et fils du Sahel et de la savane, jeunesse des fleuves et de la montagne, debout et à l'ouvrage. Écoute la voix de notre ancêtre Toumaï. Chérissons-nous et construisons un bel avenir pour un Tchad fort et prospère à jamais dans nos cœurs. Pour finir, en ces mois, sacré du livre, j'exauce la jeunesse des livres. À la veille de la Coupe du Monde Qatar 2022, sortie médiatique du directeur marketing de la téléphonie mobile RTL Tchad, Akfi Cyril Olivier, et du directeur marketing de l'ONAMA, Abdourahmane Mohamed Tabourma. Ce point de presse porte sur la diffusion de quelques matchs de la Coupe du Monde à travers la télé Tchad et aussi l'intégralité du match à travers le réseau RTL. Suivez. En tant que leader, nous ne pouvons pas rester en marge de ce grand événement. C'est pour cela que nous nous associons ce matin avec ONAMA TV, en partenariat avec New World TV, pour offrir à toute la population tchadienne, aussi bien sur vos petits écrans, comme également sur vos smartphones, les matchs de la Coupe du Monde. Je pense que cela montre à juste titre, et cela justifie pourquoi notre réseau s'appelle RTL, le réseau des smartphones. Le réseau des smartphones parce que, pour une première, vous aurez tous les 64 matchs qui seront diffusés sur vos téléphones et avec les commentaires en français. Mais en plus de cela, vous les aurez également, certains de ces matchs, vous les aurez sur vos petits écrans avec ONAMA TV. Mais on ne s'arrête pas là. Nous avons dit que c'est une fête. Puisque c'est une fête, alors nous voulons fêter également avec nos abonnés. C'est en cela que nous allons lancer également, toujours en partenariat avec ONAMA TV, le jeu SMS, le jeu de pronostic SMS pour la Coupe du Monde. Et pendant ce jeu de pronostic SMS, vous aurez tout à l'heure les d'amples explications, nous allons faire au moins 10 gagnants par match pour tous les 64 gagnants. Et ce n'est pas tout. Il y a la cerise sur le gâteau. Nous aurons également des tirages au sort pour les demi-finales et les finales. Dans le cadre de ce protocole d'accord, l'ONAMA et RTL ont décidé de mettre ensemble leurs activités dans le cadre de l'événement de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour faire vivre cet événement à toute la population tchadienne. Dans le cadre de cet événement, la spécificité cette année que RTL et ONAMA offrent au public, c'est la création de fan zones. La création de fan zones à travers ces fan zones dans toute la ville de N'Djamena. Les populations peuvent aller suivre les matchs qui sont en direct, qui seront retransmis dans le fan zone.
Merci, Nonsang Kilayo. Avant de clore cette édition, ce communiqué, le maire de la ville de N'Djamena informe les usagers de l'avenue Moumine Tokoy Amidi que la dite avenue sera fermée le dimanche 20 novembre demain à partir de 7 heures pour des travaux de réhabilitation qui s'étendront sur une période de 2 mois. À cet effet, pour leur permettre de circuler librement, ils sont priés d'emprunter les déviations suivantes. La première déviation part de la rue de 30 mètres juste avant la poudrière camp militaire pour aboutir à l'avenue Général Doumbro. Et la deuxième déviation, quant à elle, prend de la rue 10 entre la Poudrière et la Padoie pour aboutir au lycée de Goudji Centre. Le maire compte sur l'esprit civique de tous à la signature, le maire Ali Haroun. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.